Vous êtes sur RTL. Tiens, en agence. RTL matin. 6 minutes pour trancher. Bonjour Yazdan, Yazdan Pana. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat à Paris, mais aussi expert auprès de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui se réunit à nouveau ce matin. Euh, nous allons partir en Chine avec vous, bien entendu, pour le rond des nombres. 17 morts, 549 cas de contamination en Chine, mais aussi désormais aux États-Unis, en Thaïlande, en Corée du Sud, euh, au Japon et à Taïwan. Euh, professeur Yazan pouvons-nous revenir avec vous sur les origines de ce virus dont on nous dit qu'il serait apparu sur un marché? De Wuhan euh, en plein cœur de la Chine. C'est un virus d'origine animale Oui, probablement. Donc, c'est apparu début décembre, les premiers ouais. cas liés à ce virus. Et probablement, c'est une transmission de l'animal à l'homme. En général, les épidémies commencent comme ça. Et après, ce qui fait durer l'épidémie, c'est les transmissions d'homme à homme. Alors c'était déjà le cas pour le, pour le stras. là on évoque un, un, la civette, une sorte de... de je ne sais pas comment le qualifier, de le chat musqué, hein, oui. Euh, ce serait donc un animal malade qui aurait contaminé des hommes dans ce marché. Oui, je ne suis pas sûr que d'ailleurs c'est un animal malade, parce que parfois ils ne sont pas malades, mais en tout cas un animal qui était infecté ou colonisé ouais. par ce virus et, et qui a infecté un ou des hommes et qui à leur tour en transmet à d'autres. Mais excusez-moi, comment se fait-il qu'un animal porteur d'un tel germe ou c'est une bombe à retardement, c'est ce que je comprends de, de, de pour vos premières, de vos premiers commentaires, puisse se retrouver au milieu d'autres produits alimentaires Il n'y a, a pas de contrôle Alors ça, je ne sais pas. La seule chose euh, sur, sur le niveau de contrôle, ça sincèrement, euh, je ne sais pas. Par contre parfois c'est pas très facile comme ils sont pas toujours malades de détecter un animal qui est infecté euh, alors, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une, un rapport à l'hygiène alimentaire sur des marchés de ce type, notamment en Chine euh, Il y avait des, des, ce matin une dépêche en provenance de l'AFP qui est revenue, qui est hallucinante, euh, où on nous dit les Chinois se vendent volontiers de manger tout ce qui a quatre pattes sauf les tables, et on a une description de, euh, de la brochure d'animaux congelés livrés euh, à votre porte dès l'abattage, où on peut retrouver des rats, des renards, des crocodiles, des louveteaux, des salamandres géantes, des serpents, des pans, des pans, des porcs épiques ou de la viande de chameau, mais c'est une des, des publicités d'un des commerçants qui est sur mmh. place, c'est fréquent là-bas. Oui, je, je pense que effectivement, il y a le rapport avec les animaux, avec la nourriture, etc., qui sont particuliers pour nous culturellement peut-être, et que peut-être c'est quelque chose, certainement quelque chose mmh. qui euh, peut éventuellement favoriser la genèse des épidémies. Alors, euh, comment se manifeste pour un patient euh, cette maladie euh, qu'on est en fait en train de redécouvrir une fois de plus, puisqu'à à chaque fois elle prend des formes un peu différentes. Alors. Euh... La symptomatologie, oui. euh, c'est assez... On, on connaît, hein, fièvre, oui. symptôme... Pseudogri syndrome pseudo-grippal, ça veut dire avoir mal dans les muscles, dans les articulations, puis des signes respiratoires, commencer à tousser, cracher, être essoufflé. Alors il faut savoir que... Là vous des... me décrivez une bonne vieille grippe. Voilà, ce que dire. exactement. Donc c'est absolument pas quelque chose de très particulier, mystérieux, non. Mmh. C'est très habituel. Euh, ça peut d'ailleurs ressembler à un rhume. Hein. Mmh. Euh, il faut dire aussi qu'on euh, peut avoir des variétés de formes. Ça peut être des formes très bénignes, ça peut être des formes plus graves, comme ici. Il y a eu 17 décès, il y a des formes graves mais ce n'est pas la majorité des cas on, on, Il est logique de mettre une ville sous quarantaine là, la ville de Wuhan euh, ce qui est quasiment l'équivalent de de France hein, plusieurs millions d'habitants ouais. voilà, et, et complètement bouclée au moment où nous parlons Personnellement je crois que c'est une bonne décision alors c'est sûr ça peut ressembler un peu comme dans les films oui. mais pour arrêter la transmission euh, de personne à personne d'homme à homme euh, une des mesures les plus efficaces c'est arrêter le mouvement de la population alors on peut parler de la de quarantaines, oui. euh, mais en fait ils ont arrêté le mouvement des populations. C'est l'épicentre d'épidémie et je pense que ça va permettre vraiment de diminuer nos nombres de cas. Donc vous nous dites que c'est une mesure raisonnable euh, même si elle peut surprendre quand on en entend parler, de bloquer 11 millions de personnes au même moment et en quelque sorte de les confiner. Hein. Oui, c'est ce que je vous dis, ça ressemble à, à, à des livres, à des films, mais je pense que c'est une bonne décision, raisonnable, pour un certain temps, en sachant qu'il y a des gens qui ont des, 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 des travaux ou des, des problèmes urgents, eux, ils ne seront pas confinés. Mais d'une manière générale, prendre cette décision, c'est une bonne décision pour arrêter la transmission d'une maladie. Transmissible de homme à homme. Nous avions euh, trois vols euh, directs mm. contre Paris et la ville de Wuhan euh, dans nos aéroports euh, aujourd'hui euh, en France et, et à Paris. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà mettre en place des contrôles aux, aux arrivées de ces vols qui visiblement ont été mis entre parenthèses depuis hein Alors, euh, donc depuis, comme vous avez dit, ils ont été mis entre parenthèses. Et avant ça, il y avait euh, une information. Aux voyageurs pendant le vol, il y avait des affiches dans les aéroports. Il y a un certain nombre de pays comme les États-Unis ont fait même des euh, de prises de température à l'arrivée euh, de ces personnes en France, parce que c'est assez controversé la prise de température. Mais en tout cas, il y a des mesures qui ont été mises en place et les gens qui ont de la fièvre qui arrivent appellent et nous on les prend en charge. À votre connaissance, y a-t-il des cas suspects qui ont été détectés en France Il va y avoir des cas suspects, mais il n'y a pas du tout de cas pour l'instant en France. Mais il y a eu des cas suspects qui ont eu de la fièvre. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est des, des signes très banaux. Donc on, voilà. Alors, je, je suis frappé par une chose. Euh, les, les, les symptômes que vous nous décrivez sont ceux d'une grippe tout à fait classique. Ça veut dire que si on est à côté de quelqu'un qui éternue dans un rayon d'un mètre à un mètre cinquante, on peut être contaminé si cette personne elle-même est malade. Alors, pour être contaminé, il faut des contacts rapprochés, fréquents, de moins de 1 mètre. On peut, ça dépend de la virulence, mais oui, on peut être contaminé. Mais attention, toutes les personnes qui éternuent ne sont pas contaminantes et ne viennent pas de loin. Vous avez raison de le, de le rappeler. Euh, on n'a pas de traitement Alors, ça, c'est. On a beaucoup progressé depuis 2002-2003, beaucoup, hein, en oui. termes d'organisation, de diagnostic, mais il n'y a pas de traitement. Le traitement, c'est l'isolement, c'est ça, en fait. Voilà. Le traitement, c'est l'isolement et aussi lutter contre contre un traitement symptomatique en fait hein, de mettre des antibiotiques parce que ça sur un fait mais il n'y a pas de traitement spécifique mais les antibiotiques fonctionnent sur un sur un, sur un coronavirus non mais je ça je se sur ma fait. question oui. oui voilà non les antibiotiques ne fonctionne pas sur les virus, mais quand on a une pneumonie liée à un virus, en général, ça se surinfecte par une bactérie et on peut lutter contre pour diminuer la gravité. Excusez-moi, il n'y a aucune paranoïa dans ma question, mais euh, si effectivement il y a des cas qui sont identifiés en France, on le saura, on nous le dira, euh, ou euh, on commence gentiment par boucler les gens et puis trois jours après on fait un communiqué. Non, on vous dira. Euh, il pourrait y avoir des cas en France, comme il y a eu aux États-Unis, comme il y a eu en Australie. Par contre, il n'y a je ne pense vraiment pas qu'il y ait d'épidémie en France. Il y aura des cas isolés peut-être, hein, oui. mais il n'y aura pas d'épidémie parce qu'on sait faire, on sait contenir, on sait isoler ces patients. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, euh, dont vous êtes un des experts, s'est réunie hier euh, pendant une bonne partie de la soirée. Euh, ils étaient en réunion pour décider s'il s'agissait d'une urgence, je cite, hein, de santé publique de portée internationale. Pour l'instant, ça n'a pas été officialisé. Il se retrouve ce matin. Vous pensez qu'on va y arriver finalement C'est possible qu'on arrive. Tout, à mon avis, dépendra, en dehors de la ville de Wuhan, c'est quoi la transmission de personne à personne. Ouais. Là, vous avez vu, il y a, il y a eu des cas, vous l'avez dit, Corée du Sud, Japon, Thaïlande, Taïwan, États-Unis, euh, mais on n'a pas entendu parler, pour l'instant, de cas secondaires dans ces pays. Ouais. C'est que des cas importés. Si on commence à avoir des cas, secondaire aussi dans ces pays, je pense qu'on arrivera à cette décision. Merci beaucoup professeur Yazdan Panin. je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital parisien Bichat et expert auprès de l'Organisation mondiale de la santé qui donc se réunit à nouveau ce matin. Très bonne journée à vous. Merci. Yves Calvi, RTL matin, pour répondre à toutes vos questions.